que la bière c'est quoi? Non, c'est ce que tu calculais. La bière c'est quoi d'abord? C'est quoi? Et où est ta part? Je dis, hein? Viens. Le monsieur là, c'est qui? Mais c'est un locataire. C'est un locataire? C'est un locataire, c'est un nouveau locataire. C'est un locataire qui est frais comme ça, hein? Ah, dis donc. Toi aussi. S'il te plaît, ça va? Viens, non? Oh, dis donc, ne me dérange pas. Et il avait voyagé? Si, il avait voyagé. Ah! Depuis combien de temps? Ouais. Tu es devenu la police? Ah, toi aussi, si je suis pas la police, je peux pas te poser une question. Donc tu vois que ton petit poste qu'on t'a donné là, tu es sûrement déjà un patron, hein? Ngassa? Oh, Ngassa? Ngassa, tu parles où? Ndiasso, je vois que tu es malade, hein? Ah, moi malade? Sache que je ne me fâche pas te dire. Hé, qui va me dire? Toi-même, dis-moi ça ici. On là va venir me dire ça quand? Le jour qu'on va te dire. Moi, quand tu me dis que je suis malade, même au village, je ne suis jamais tombé malade. Tu piaffes, non? N'est-ce pas tes pieds entrent dans les chaussures? Comment tu vas pas crâner? Mon frère, si je te raconte l'histoire de la physique quand on était au village, la lettre depuis que tu vois là, on ne va pas te dire. Ouais, laisse-moi avec tes histoires. Ndiasso, monsieur t'appelle. Monsieur Segui. Si tu le connais pas, tu laisses. Hein? J'ai dit, même toi. Oh, mon frère, regarde-moi les choses. Elle me dit monsieur, monsieur, comme si monsieur c'était le nom de quelqu'un. Comme si. Ne complique pas la vie. Ah, même toi, hein. Ndiasso. Oui, tonton. Je voudrais qu'on cause. Ah. Comment peux-tu venir chez les gens sans les prévenir? Mais tonton, je suis là depuis. C'est maintenant que tu me poses la question là. Mais nous n'avons pas eu le temps de causer. De finir notre causerie ou de causer, tonton? Comme tu veux. Ah, ce n'est pas comme je veux, c'est un fait. Mais tonton. J'espère que je ne me suis pas dit trop. Tu l'es. Non, non. Ça va. Qu'est-ce qui va, tonton? On est en pleine causerie et l'entre, tu dis que ça va. Ça va comment? On cause donc quoi? Donc je te rappelais que je vis aussi ici. Oh, arrête ça, hein. Moi, je ne dois pas te rappeler que je suis ici chez mon oncle. Et ma soeur, alors? Et ma soeur, c'est une soeur de l'église. Arrêtez-moi ces enfantillages. Mais c'est pas elle. C'est lui. Lui, pour finir. C'est lui. Arrêtez-moi ça, mon Dieu. Eric, Erico, tu sais que tu as le nom du musicien Erico, non? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il chante bien. Erico, dis-moi un peu, gars. Tu ne peux pas me trouver quelque chose là que je peux mettre sous la dent? Non, le repas n'est pas prêt. Je ne parle pas du repas. Je parle de quelque chose que je peux mettre sous la dent en attendant. Tu crois que je vais attendre l'heure là maintenant? Regarde au frigo, il y a un bout de pain là. Ah, au frigo? D'accord, ok. Erico, un pain croustillant comme ça là, tu mets ça au frigo. Fais-moi même 2 œufs. Les œufs sont finis. Ouais, moi. Je mange ça avec quoi alors? Mais mange ça comme ça, non, dis donc. Comment tu me parles comme ça? Tu me parles comme ça? Tu te manges ça comme ça? Je suis un fou ou alors un animal? Si tu ne peux pas manger comme ça, attends donc le repas. Non, 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 je ne peux pas attendre le repas. Erico, ne fais pas ça. C'est toi, Erico. Erico. Bon, ça va. Ça va. Tu m'amènes le sucre alors. Je mets ça dans l'eau, je bois. Sucre alors. Voilà! Tu es ma personne, Erico. Je t'ai dit que c'est toi et moi dans la maison. C'est donc ne te gêne même pas. Toi et moi dans la maison, c'est. Erico. Voilà. Le sucre même est devenu assez, hein, Eko. Oui. Maintenant, là, il faut seulement faire l'économie. Si tu ne fais pas l'économie, c'est que tu es fini. Mais toi, tu dis qu'il faut faire l'économie et tu veux finir, Ndiasso. Non, 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 il reste encore toi.
Ça, tout ça, ça va me maintenir jusqu'à l'heure de ton repas. Hein. Ouais, ça va me soulager, quoi. Bon, je te laisse faire ton travail. Hein. Okay. Voilà, j'attends seulement. Tu peux pas quoi, avec le poulet. Érico, j'arrive.